Ce rapport est indispensable, les statistiques des différents États membres l'illustrent. 17,6% de la population autrichienne est âgée de plus de 65 ans et la tendance est bien sûr à la hausse. Fondamentalement, d'ici 2060, en Europe, nous aurons 155 millions de personnes âgées. Un vieillissement actif et au moins une certaine autonomie sont absolument à promouvoir. Il faut également qu'un diagnostic précoce des maladies liées à l'âge soit mis en place. Ensuite, les soins et traitements de nos personnes âgées s'imposent tout autant. Dans les zones rurales, on constate que par le renforcement de l'urbanisation, les soins et traitements des personnes âgées, le soutien des membres de la famille commencent à être véritablement problématiques. Je l'ai déjà dit à d'innombrables reprises et je le répète ce soir, nous devons dès à présent prendre des mesures en faveur de cette catégorie de la population. Les problèmes, si nous n'agissons pas, nous dépasserons très rapidement. Économiser n'est certainement pas la bonne solution. C'est à nous de prendre les initiatives qui s'imposent. Je vous remercie.